Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. En ce moment, je suis dans un élan de créativité et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mon petit dimanche parce que je vais avoir un dimanche super cool. En vrai, par contre, je commence à filmer, il est midi et demi. Donc, je vous ai pas fini ma matinée, mais ce matin, grosso modo, je me suis habillée, je me suis préparée et je suis allée faire des courses. J'en ai eu pour 90$. Ce qui est quand même pas super cher vu tout ce que j'ai pris. Je suis rentrée et on est là. Super nouvelle parce que regardez la vue qu'on a actuellement. Parce qu'il faut savoir que depuis décembre, il n'y a pas eu de neige. Enfin, il y a eu un peu de neige à Montréal début décembre. Ça a tenu un petit peu et après tout a fondu. Et depuis, il n'y a pas eu de neige. Et là, regardez la vue ce matin. Hop, c'est trop beau. On a vraiment de la chance d'avoir cette vue là directement sur le parc. Du coup le réveil était quand même très agréable et le programme de cet après-midi c'est que on va chez Léa, on va chez des copains pour manger la galette des rois, donc ça va être très cool. Et puis après il y a moyen qu'on aille un petit peu se promener, jouer dans la neige, en profiter. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour un vlog où il faut être chill. J'espère que ça vous plaira. Ok, du coup, on se retrouve dans la cuisine. Mais prochainement, je vais faire quand même un espèce d'appartement tour, même si l'appart n'est pas finalisé. Comme ça, vous pourrez constater d'ici quelques mois à quel point il a glow up grâce à notre super déco qu'on va avoir. Et on a super hâte, vraiment. Donc, bref, on se retrouve en cuisine. Et aujourd'hui, les deux colocs mangent de l'omelette parce qu'en fait on n'a pas trop le temps. En fait c'est surtout ma coloc qui a eu l'idée et comme j'avais pas d'inspi je me suis dit moi aussi j'ai envie d'une omelette maintenant, donc je vais faire une omelette. Allez. Ah non, en fait je pense, c'est ça en fait, j'ai eu une idée tout à l'heure, je pense faire finalement des œufs brouillés sur un toast. C'est ma nouvelle idée. Mais par contre elle ressemble pas à grand chose hein. En fait les toasts sont trop petits par rapport à la quantité d'œufs. C'est l'heure d'aller manger la frangipane. J'ai quand même froid dehors, il y a genre une tempête de neige. Mais en vrai l'avantage c'est que j'habite vraiment pas loin de chez Léa. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs je me suis posée après manger regarder Berlin, on suis à l'épisode 2. Et c'est plutôt sympa. Voilà, quand il y a plein de toute façon quand il y a des histoires de love et tout j'aime trop, donc okay. Je me suis acheté cette doudoune chez Only, enfin je l'ai commandée sur Simons, mais c'est pas une Aridia, c'est une Only et en vrai elle fait grave le taf. Non mais c'est vraiment, ça m'a changé d'ambiance. Bah ouais, c'est incroyable. Et du coup ma coloc s'est acheté la même, enfin la même en marron, beige, marron beige. J'adore, t'arrives en mode camouflé. La tête, juste la tête. J'essaie de toujours attacher mon écharpe comme ça parce que quand je marche, sinon elle s'enlève tout le temps et ça m'embête. Je vais vous montrer. Genre vraiment, il neige beaucoup.
Aujourd'hui, je vous emmène, enfin, je vlog un petit peu parce que on va aller chercher mes skis pour la saison à la pointe du ski. Donc, je vais vous montrer, c'est un concept vraiment cool. Et ensuite, avec des copines, on va aller à Ikea pour acheter d'autres trucs pour l'appart. Et en vrai, il fait pas si froid. Non. Donc, ça va. Et demain, nous allons skier. Donc, c'est pour ça que je vais chercher mes skis aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je suis trop contente. On y va avec les copains. Avec Léa, Thomas, Lucas et ma coloc Pauline. Donc, ça va être chouette. Pauline, qui est d'ailleurs ci-devant, que je n'ai jamais présentée. Enfin, si vous l'avez vu dans le début du vlog en fait. Mais elle s'appelle Pauline. Comme la poubelle du ski est vraiment pas à côté. C'est pas dans mon quartier, c'est genre à 40 minutes en transport en commun et que accessoirement on a un petit peu la flemme. Déjà qu'on a un week-end très chargé qui ne va pas être reposant du tout. On a décidé de louer une communauto. En gros les communautos c'est des voitures que tu peux louer en libre service, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, notre petite voiture. Ça me fait les bâtons ici, mais les bâtons du coup c'est acheté, alors ça c'est vraiment location longue durée. Donc ici on peut en louer longue durée et on peut en louer aussi pour la journée ou le week-end, et on peut aussi en acheter neuf ou des cases. En fait il y a tout plein de matériel, les snow, je suis le snow, le ski, les bâtons par contre c'est obligé de les acheter, il y a tout plein de matériel, des gants et des... Ça y est, on s'apprête à aller au Ikea, on attend que Léa nous récupère en voiture. Avec Pauline on s'est changé parce qu'on avait peur d'avoir trop chaud dans le Ikea. Du coup j'ai juste mis ma petite veste Cézanne. Voilà. Et il neige toujours autant, c'est toujours aussi beau. Oh, I'm slipping away. So don't let me go now. Du coup, nous on doit retrouver une housse pour notre canapé, vous savez, parce qu'on a trois modules et on a un module qui est en gris foncé. Du coup il nous faut cette housse là. 150$, c'est vraiment pas donné. Et on va aller la récupérer juste après. Il est trop beau ce canapé. Ok, ensuite pour ma chambre j'aimerais avoir une box comme ça pour m'en servir de table de chevet, mais je la veux en jaune. Il y avait cette petite table que j'aimais trop aussi et je pensais la prendre en table de chevet, mais du coup finalement je vais prendre celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais en jaune pour aller avec mon tapis qui est vert et un peu jaune, et pour aller avec ma lampe de chevet qui est jaune, parce que j'ai peur que ça fasse trop too much et que ça fasse beaucoup trop de couleurs dans la chambre. Cette lampe que je vois absolument partout en ce moment, je la trouve trop belle, mais j'attends d'avoir un petit meuble exprès pour pouvoir la poser, mais je pense que je la mettrai peut-être dans le salon. Je la trouve vraiment trop cool. Cette lampe aussi, je la trouve super belle aussi. Genre je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très belle. Et celle-ci c'est une petite lampe que j'ai dans ma chambre, que j'adore d'ailleurs. Mais oui, mais ça c'est toi. Tu sais, c'est comment ça s'appelle déjà? L'effet caméléon. L'effet caméléon. Parce qu'en fait, Pauline vient de dire gavé, sauf que habituellement, c'est moi qui dis gavé, oui. Comme je suis de Bordeaux. Elle vient de dire gavé. Encore une victoire. On va prendre cette poubelle pour la cuisine. On a aussi besoin d'une poubelle de salle de bain, du coup, on pensait partir sur ça. Parce qu'elle n'est vraiment pas épaisse. Et du coup, elle s'ouvre sur le dessus. Donc c'est parfait, comme ça on peut la caler entre les toilettes. Mince. Comme ça on peut la caler entre les toilettes et le meuble du lavabo.
Donc je pense qu'on va la prendre en noir. Ouais, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On cherche ma petite table de chevet. 48. Ouais, mais il faut... c'est le jaune, c'est celui-ci. Youpi! Trop contente. Non mais vraiment. Allez. Let's go. On est allé au truc de livraison, enfin de récupération, de pick-up, pour récupérer ça. Notre canapé va enfin être genre assorti. Et là on attend Léa et Anna. On sait pas trop où elles sont, on s'est un peu perdu. Mais voilà, je commence à être fatiguée, j'ai hâte de rentrer. Ok, du coup on est rentré du Ikea. Et là du coup je vais changer la housse qui est derrière. Je sais pas trop comment ça change, mais je pense que ça devrait pas être bien compliqué. J'ai aussi tout à l'heure mis la poubelle dans la cuisine et la poubelle de la salle de bain. Je vais vous montrer, ça rend quand même très mignon. Du coup c'est comme ça, genre normalement c'est une poubelle qui se fixe contre le mur, mais en vrai nous on va pas la fixer là. Du coup on l'a mis ici et c'est parfait parce que du coup elle prend vraiment pas de place, donc c'est cool. Et du coup on a mis cette poubelle ici, voilà. Je vais installer ça et je l'ai d'ailleurs mis en vente sur Marketplace. Aujourd'hui, on va skier. Du coup, on a trop hâte, on est trop hypé. On s'est préparé, et là je sais pas si vous voyez, mais derrière moi il y a des pistes. Là derrière, il y a des pistes aussi. Du coup, on a trop hâte, on va skier dans le parc national du Mont-Tremblant, à la station La Réserve. J'y suis jamais allée, mais Léa et Thomas ils sont déjà allés, et apparemment c'est bien et c'est pas cher. Du coup, on va voir, on est trop excité. La première fois de la saison. Avec de la crème fraîche. Oui. On a même pas la matinée.